Salut à tous les amis, c'est DantonBuel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de ce let's play sur Assassin's Creed Origins. Donc c'est la 4e ou 5e partie du 14e épisode, bon bref on s'en fout. Ne vous fiez pas à ce que je vous dis, fiez-vous à ce qui est dans l'intitulé pardon de la vidéo. À savoir que j'ai quand même un bon paquet de vidéos d'avance, donc là c'est vrai qu'au niveau de la numérotation c'est un peu flou. D'habitude je le suis en direct étant donné que j'envoie en direct les vidéos. Sauf que là je suis encore en train, au moment où je vous parle, hein, je suis encore en train d'envoyer des vidéos de l'épisode 13. Donc là j'ai même pas terminé de vous envoyer l'épisode 13 que je suis en train de vous enregistrer. J'en suis grosso modo je pense allez, au bon 3/4 de l'épisode 14. Donc on est quand même sacrément en avance par rapport aux actualités sur la chaîne. Voilà, bref, du coup on continue d'explorer. On a toujours la quête qui est activée là-bas. On va s'y rendre, vous inquiétez pas. Alors il est où lui? Bon, à savoir que je suis en pleine nuit blanche, donc j'ai essayé de dormir, j'y arrivais pas, ça m'énervait, et puis voilà. J'ai dit, allez, je continue, de toute manière, il faut avancer. Probablement, en fait, que j'arriverai à terminer ce let's play avant le déménagement. Allez hop, on n'en parle plus. A savoir que après le déménagement justement il risque d'y avoir du mouvement au niveau de ma chaîne YouTube. Alors je conserverai bien entendu la chaîne YouTube, ça y a pas de problème là dessus. Mais par contre je risque d'opter pour un autre système pour mes vidéos. Je vous en parlerai probablement dans pas très très longtemps, je vous en parlerai à l'avenir. Mais voilà, je vais peut-être opter pour un système différent parce que j'aurai une meilleure connexion. Donc je pourrais me permettre de live plus souvent. Et de ce fait, je vais peut-être pas passer par l'intermédiaire de YouTube pour faire du live justement. Mais de toute manière, même si je passe par l'intermédiaire d'un autre site, style Twitch ou un autre, hein, peu importe, je pourrais de toute manière vous transmettre les lives que j'ai fait sur un autre site, sur ma chaîne YouTube. Donc dans tous les cas, mes actualités perdureront sur YouTube, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci pour ça. J'ai commencé avec YouTube, je trouve que le système YouTube est hyper intéressant. C'est en quelque sorte ce qui me convient le mieux. Mais c'est vrai que en termes pratiques, étant donné que je n'ai que ma console comme support, je me suis un petit peu renseigné par rapport aux méthodes marche à suivre et tout ça pour vraiment profiter pleinement de l'expérience en tant que streamer et youtubeur. Enfin, streamer et youtubeur, oui, tout simplement. Je me suis rendu compte que mon système n'était pas forcément le plus adéquat et le plus simple. Ça me prend énormément de temps. Et là, par exemple, en fait, c'est typiquement ce genre de let's play qui me fait penser que je dois adopter un autre système. Du moins pour ce genre de let's play qui traîne beaucoup sur la longueur, quoi. Encore des let's play style The Last of Us qui sont des jeux très couloirs et tout ça et qui sont assez ponctuels à terme de quantité de vidéos, je peux me permettre de l'enregistrer et de vous l'envoyer. Par contre pour des let's play comme cela où j'enchaîne assez rapidement et que je fais quand même des sessions de jeu assez conséquentes, donc beaucoup d'envois de vidéos étant donné que je suis quand même contraint via le nombre de via la durée de vidéos. Donc du coup ça me contraint à faire beaucoup de vidéos en une seule session, ce qui est contraignant aussi dans l'envoi du coup forcément. Bah du coup là avec le système de live, je serai plus contraint quoi. Enfin les vidéos dureront beaucoup plus longtemps, mais elles seront beaucoup plus concrètes et moi j'aurai pas m'embêter à faire 15 000 intros par session. Ce sera plus naturel, plus fluide. Effectivement il y aura peut-être des vidéos qui dureront beaucoup plus longtemps que ça. Parce que ça reprend ça. Du coup, je tirerai la vidéo d'un live que j'aurais fait. Donc, le live sera aussi conséquent que toute ma session de jeu. Et des fois, c'est vrai que je joue assez longtemps. Je peux enchaîner des sessions de 2-3 heures, même plus. Donc, effectivement, si je fais un épisode complet, au lieu de l'avoir en plusieurs parties, comme là, je le fais là présentement sur ce let's play, et ben il se peut qu'il ne soit qu'en une voire deux parties. Mais pour le coup, si c'est en un ou deux blocs, c'est des épisodes, enfin c'est des épisodes ou des parties d'épisodes qui durent 2 heures, 2 heures et demie, quoi.
Donc, mais moi j'ai plus la contrainte de l'envoi de la vidéo, ou du moins du traitement et de l'envoi de la vidéo via la console. Tout ça se fera par l'intermédiaire du site que je gérerai via un PC. Donc au final, ma console sera plus libre de vous faire parvenir des enregistrements autres. Bon là, je fais du gros freestyle. Hein. Mais arrête! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est con! Bon, là, mon personnage fait n'importe quoi. Oh merde, je suis en feu. Ah là là! J'ai des mauvais souvenirs qui me reviennent. Bah, c'est clairement ce genre de let's play qui me font penser que mon système est... étant donné que je fais vraiment les jeux à fond, je peux pas me permettre en soi de faire 150 vidéos comme ça, même avec une putain de connexion, je suis désolé du terme, hein, mais même avec une connexion de fou furieux, je peux pas me permettre de vous envoyer toute la journée des vidéos à tout va comme ça. Et je... De mon humble avis, je pense que le système de stream, enfin de live en soi, enfin de stream non, c'est tout l'inverse, bon, le système de live est beaucoup plus approprié, étant donné que ben, j'enchaînerai plus facilement et je n'aurai pas de coupure entre chaque partie d'épisode finalement. Parce que c'est vrai que ce système de numérotation, bon, je le gère plus ou moins si je fais pas de conneries entre temps, ce qui arrive aussi. Mais c'est contraignant, honnêtement c'est contraignant et j'ai beaucoup réfléchi. Je tiens à ce qu'il y ait de la lisibilité. Et c'est pas forcément le cas systématiquement. Même pour moi, hein, alors j'imagine même pas pour vous. Moi ça va, je suis à peu près dans le délire parce que bon, c'est moi qui ai la manette en main et tout. Mais pour vous qui bon, qui n'avez pas forcément l'occasion d'avoir tout le temps les yeux rivés sur YouTube et qui suivez mes actualités quand vous le pouvez, ou alors vraiment occasionnellement comme ça, vous pouvez être très vite paumé par le nombre de justement de parties d'épisodes que je peux envoyer d'un jour à l'autre. Vous allez passer d'un épisode à un autre. Le problème c'est qu'il y aurait eu 6, 7 ou 8 parties s'il y a eu beaucoup de taf à faire sur plusieurs régions par exemple, si on parle de ce let's play. Donc c'est vrai que c'est compliqué à suivre. Et je pense à ce let's play, je pense à Final Fantasy XV qui était aussi on va dire les choses telles qu'elles étaient. C'était assez emmerdant en soi d'enregistrer sur Final Fantasy XV, bien que j'ai adoré le jeu. Mais moi je suis du genre, voilà, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis du genre à vouloir tout faire, à vouloir faire un truc complet et carré. Le problème c'est que faire ça et vous en faire profiter, pour moi finalement c'est méga contraignant. Mais j'ai envie de le faire quand même parce que ça me fait plaisir et parce que je sais que ça pourrait en soi vous intéresser. Bon, peut-être pas, parce que c'est vrai que c'est du contenu un peu lourd à supporter et un peu lourd à visionner, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui restent du domaine secondaire. Donc c'est forcément c'est forcément au détriment de l'attention de beaucoup qui considèrent que ce qui est intéressant c'est le principal et le secondaire on s'en fout un peu. Bon, moi je suis pas du tout dans cette optique là, mais je comprends tout à fait cette façon de voir les choses. Je comprends tout à fait. Le seul problème c'est que bon, je joue avant tout pour moi. Je ne gagne pas ma vie à faire ces vidéos, je ne gagne pas ma vie à passer mon temps à faire ça. Donc je le fais avant tout pour moi, pour mon plaisir. Mais je vous fais partager ce plaisir et je prends plaisir à vous faire partager ce plaisir. Attention, on va partir dans un délire dans un délire que vous attendiez pas. Bref. Bon, ça va, j'arrive à parler et à avancer en même temps, c'est l'essentiel. Non, parce que d'habitude je parle et du coup je freine un petit peu, là ça va. Je me mets en mode robot, donc si je fais des conneries, m'en voulez pas. Mais bon, c'est bien, on fait le point en même temps. Ah, ils attaquent à vue par ici. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que le système YouTube, moi je l'apprécie énormément. Sur les let's play du style The Last of Us et tout ça, c'est excellent parce que bon, mais du coup c'est vraiment très scindé, c'est épisodique, il n'y a pas de problème. Mais sur des let's play du style Assassin's Creed Origins, du style Final Fantasy XV,
Ah bon, après j'ai pas fait d'autres let's play. Je voulais faire The Witcher 3 comme je vous l'avais expliqué, mais j'ai renoncé parce que bon voilà, c'était un jeu plus long même que ce Assassin's Creed Origins, et du coup je me suis dit non, c'est même pas la peine. Enfin, je vais avoir trop de vidéos à envoyer et je vais m'arracher les cheveux. Ça m'aurait pas dérangé en soi de le faire, mais trop de vidéos, ça m'aurait, ouais, ça, je pense que ça m'aurait pompé le temps et l'espace disponible. Salut. Alors que bon, voilà, en l'occurrence, si un jeu comme celui-ci, je le fais en live, du coup en session live, et que je vous fais parvenir les rediffusions de ces lives, bon, peut-être que la qualité en serait un petit peu amoindrie, mais au moins ce serait plus lisible, et en plus de ça, ce serait beaucoup plus pratique, j'aurais pas tous ces temps d'envoi à gérer. Et puis en plus de ça, ça vous permettrait de me suivre un petit peu plus dans les actualités, et de me suivre en parallèle, parce que finalement, si je me permets de faire des lives sur, admettons, on va prendre le cas de figure où je fais Assassin's Creed Origins en live, chose qui n'arrivera pas étant donné que je vais terminer ce let's play de façon épisodique telle que je le fais là au jour d'aujourd'hui. Mais admettons, je fais Assassin's Creed en live, rien ne m'empêche du coup en enregistrement de faire un autre jeu en parallèle, étant donné que je n'aurai pas la contrainte d'envoyer les vidéos d'Assassin's Creed par la console. J'aurais juste la contrainte de voilà de laisser la console clean le temps de me faire le live, mais une fois le live fait, rien ne m'empêche de faire un autre jeu un petit peu plus détente, ou un petit peu plus cool, ou un petit peu plus occasionnel en parallèle, et de vous le faire parvenir par envoi de vidéo par de façon épisodique sur YouTube, tel que je procède depuis le début. Rien, en fait, l'un n'empêche pas l'autre, mais ça nécessite quand même une sacrée organisation et une certaine implication également. Bon, pas de votre part, bien entendu, c'est moi qui gère. Ça y a pas de souci pour ça. Mais voilà, je tenais quand même à vous évoquer l'éventualité que il y a des chances que voilà, je fasse un saut sur Twitch ou sur un autre site de ce genre là pour tester un peu le système et de voir au niveau rendu, qualité, au niveau visionnage et tout ça, qu'est-ce que ça donne. Et pour voir oui ou non si ça le fait et si je perdure avec ce système là. Parce que c'est vrai que le système d'envoi de vidéos, je suis clairement en train de m'apercevoir que sur ce genre de let's play ou sur... Après, il y a le style de jeu, genre Destiny, tout ça, où on se fait des sessions avec les collègues et compagnie, avec Zemrick, avec Emma et tout ça, où... Bah, c'est compliqué en fait, parce que je peux pas franchement vous enregistrer tout le temps nos sessions, parce que... Il y a des fois où voilà, on va passer 15-20 minutes à faire les cons ou à rusher, juste faire des événements et tout ça. Alors qu'en live, en soi, ça ne me dérangerait pas de vous en faire profiter, parce que j'aurais pas la contrainte effectivement de le traiter derrière. Donc ce serait vraiment des sessions beaucoup plus comment dire, beaucoup plus improvisées, beaucoup plus naturelles. Alors en soi, c'est sûr qu'il y aura pas forcément du contenu entre guillemets aussi propre que je peux le proposer, parce que c'est vrai que vous l'imaginez bien, j'épure ce qu'on fait, j'épure ce que je fais déjà. Bon, en soi, ce que je fais généralement, je vous fais tout parvenir. C'est rare franchement que je ne vous fasse pas parvenir quelque chose que je fais. Mais par contre, si je fais des sessions multi avec Emma, qu'on joue à des jeux à la con, ou qu'on joue à, je sais pas, un jeu multi, Destiny et tout ça, il se peut que des fois j'enregistre et que je ne vous fasse pas parvenir l'enregistrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un craquage, parce qu'il y a eu un coup de sang et tout qui n'était pas forcément prévu. Ben forcément, hein, quand on s'énerve, c'est pas forcément prévu, hein. Généralement, on essaie d'être détendu jusqu'au bout. Mais des fois, bon, il y a quelque chose qui fait qu'on s'énerve et que bon, on se dit, bon, merde, c'est dommage. Et moi du coup, bah on vous fait pas profiter de nos coups de sang, c'est bien normal. Mais enfin, surtout de mes coups de sang, parce que généralement c'est moi qui m'énerve. Mais pour tout ça, pour vous dire que dans les sessions live, il y a de fortes chances que ça soit plus intimiste, beaucoup plus naturel.
Alors que voilà, dans le cadre épisodique de let's play court, concis et précis, bon, ce serait plus des jeux où je sais où je vais, quoi. Des jeux style Uncharted où voilà, je sais qu'il y a tant d'heures de jeu et que je sais que au bout de 40 minutes de jeu je peux couper parce que de toute manière ça va faire la césure entre un chapitre du jeu et un autre chapitre du jeu. Voilà, enfin je sais que c'est clean, c'est lisible et c'est cool pour tout le monde. La Légion est débarrassée de son plus grand parasite. Mais encore une fois, voilà, des jeux multi ou des let's play à rallonge comme cet Assassin's Creed Origins ou comme le Spider-Man PS4 qui va venir, d'autres jeux par ailleurs. Je le sens. Je te lis si je te dérange, Bayek. Mais voilà, enfin tout ça pour vous dire que ça nécessite une organisation et que voilà, en dépit du fait que je galère pas mal à vous envoyer autant de vidéos sur un let's play comme ça, au détriment justement de d'autres vidéos que j'aimerais vous faire et que je peux pas vous faire parce que bah, j'ai pas le temps, je peux pas vous envoyer en fait ces vidéos clairement parce que parce que j'en ai pas la capacité motrice et physique. Tout simplement parce que ma console ne peut envoyer qu'une vidéo à la fois et que je suis quand même contraint aussi par la vitesse d'envoi. Bon, certes qu'il va s'améliorer, mais même en s'améliorant, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Et puis ça permettrait aussi de faire plusieurs formats. Et qu'il y ait le format live qui correspond vraiment à des let's play ou des sessions gaming à rallonge ou vraiment dans le cadre détente un peu à part ou un peu secondaire, voilà, parce que les sessions multi ou les sessions où on rush les jalons sur Destiny par exemple, c'est vraiment dans le cadre secondaire. Mais ça en multi, ça me dérange, en live multi, ça me dérangerait pas de vous le faire. Par contre, en épisode, clairement, ça me fait un peu chier, quoi, parce que ça me prend du temps et pour pas grand chose finalement, alors qu'en live on pourrait faire beaucoup plus et ce serait beaucoup moins contraignant. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Enfin bref, du coup j'ai fait le petit j'ai pas cherché le papyrus, comme quoi j'ai failli oublier. Il y a une quête à déclencher également, donc voilà, je fais des conneries, ça y est, ça commence. En même temps, on peut pas parler autant pour rien dire et. Oui. Dans les montagnes vertes, ah, on en vient, où l'on construit un grand aqueduc, trouve sa source dans les hauteurs. À l'intérieur, je serai au fond du bassin le plus bas, à côté de deux grandes jarres. Ouais, bah, je crois qu'on l'a vu cet endroit. Ça va, je te dérange pas? Merci. Par contre, vous vous calmez là, vous? Oh. Attends, dans les grandes montagnes vertes, on n'y est plus là dans les montagnes vertes. Mais si on y est. Mais bien sûr qu'on y est. Alors l'aqueduc par contre il est pas là. L'aqueduc je crois que c'est c'est ici. Est-ce qu'on irait pas le chercher? Non, j'avais dit de toute façon il nous reste d'autres énigmes. Les énigmes on s'en occupera plus tard. Bon, je ferme la parenthèse, de toute manière, je reposerai ça à plat. Mais. Voilà, excusez-moi parce qu'elle me saoule. De toute manière, je reposerai ça à plat une autre fois. Là, c'était vraiment. J'ai fait une grosse parenthèse, et puis étant donné que je suis fatigué, je radote un petit peu. Mais voilà, je referai cette parenthèse une autre fois. Ce sera beaucoup plus à plat. Mais voilà, là pour le moment on est vraiment dans le cadre hypothétique que, admettons, je parte sur, admettons, Twitch ou un autre site du genre. Mais voilà, ça risque d'arriver, je risque de faire le test sans vraiment faire parvenir ça sur la chaîne YouTube. Mais si effectivement je vois que ça fonctionne bien, qu'au niveau de la connexion internet ça passe et tout ça, qu'il y a une bonne qualité et que je peux me permettre de vous faire du contenu style voilà, Assassin's Creed ou du contenu un peu plus secondaire, un peu plus détente, et que ça passe au niveau du format et au niveau qualité d'image, rien ne m'empêche de le faire, voilà. Donc après, de toute manière, vous aurez les rediffusions. Donc si vous suivez uniquement la chaîne YouTube, vous n'avez pas de souci à vous faire pour ça. Si effectivement vous apprécierez justement de me voir un petit peu plus en live, eh ben, ce serait l'occasion du coup de switcher d'une chaîne à l'autre. Et de toute manière, que ça soit sur l'un ou que ça soit sur l'autre, je ferai le lien via justement des liens sur les pages, quoi. Je ferai des en-têtes de pages avec les liens correspondants pour passer d'un site à l'autre et justement pas se perdre au passage. Voilà, la parenthèse est close. Ça a duré assez longtemps. On va lui parler, la minette qui aime bien chanter. Alors, t'as fait la Starac ?
Apollon a parlé de toi. Le roi a pleuré quand il a tué le cerf blanc. Elle m'a appelé Aigle. La chasseresse enchantée, belle, douce et pâle, entourée d'un halo d'or. Dans la même phrase, elle a dit Vision et Aigle. Je tiens à faire la petite parenthèse. Un lac de larmes au-dessus des plaines. Le dieu soleil a frappé de son poing la montagne, prit l'objet de son amour et lui dit « Nul ne te cherchera. Personne, à part l'aigle. Il l'élèvera au-dessus des cinq villes avec le halo de la chasseresse dans son bec. » Pourquoi m'appelles-tu Aigle ? La relique sacrée te revient, Aigle. Trouve-la et accrois tes richesses. Ça m'intéresse ça. Apollon veut que je trouve ce halo de la chasseresse. Ah, attendez, ça se trouve où? Ça se trouve où? Bah oui, parce que tu vas me ramener Ah non, tu m'emmènes pas vers l'aqueduc par hasard. Merde. Pardon, mais dommage. Parce que je me suis dit, ah, ça correspondait à peu près au... Ah merde, c'est dommage. Bon, ça du coup, ce sera pour plus tard. D'accord. Ok. Alors, une autre parenthèse, et cette fois-ci qui concerne ce let's play, hein, voilà, on va essayer de rester dans le cadre du let's play. En bonus sur cette vidéo, je vais vous faire parvenir une petite phase de gameplay que j'ai testé. En fait, c'était une facette du jeu qu'on n'a pas testé, alors qu'on aurait pu la tester depuis un bon moment. Et en fait, je suis passé à côté sans m'en apercevoir. Je me suis dit que ça allait venir via une mission du jeu, ou enfin voilà, que ça allait nous être introduit à un moment donné. Et pas du tout. Sauf que du coup, en regardant mes trophées, j'ai vu qu'il y avait des trophées correspondant à ça qu'il fallait que je débloque. Et du coup, je me suis penché là-dessus et j'ai enregistré deux petites phases de gameplay. Voilà, bon, c'est tout mignon, c'est tout gentil, c'est pas non plus le truc de ouf, mais au moins voilà, vous aurez un aperçu de ça. Alors je ne vais pas batailler plus que ça sur ce système de jeu au sein de Assassin's Creed, parce que je trouve que bon, c'est mignon d'avoir introduit ça, mais je trouve que c'est assez maladroit au niveau des commandes et compagnie, et du coup je préfère mettre ça de côté et me concentrer un petit peu plus sur le let's play en lui-même. Ok, bon. Ouais, je me fais ce campement du coup. Je mets un petit peu de côté la mission pour l'instant. Celui-là, c'est juste à côté. On le fait comme ça, c'est plié. On a plus à s'en soucier plus tard. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'avoue. Va peut-être falloir que je me calme et que je regarde à combien de temps on en est. Parce que forcément, de parler, c'est bien beau, mais ça prend du temps. Et il se peut que j'ai quand même gratté un bon paquet de temps. Alors, on va se la jouer à l'armoricaine. Voilà. Allez, un coffre. Bon, lui, il se doute de quelque chose, mais il est loin quand même. Oh putain, il y a des trucs à ramasser, mais... Oh merde. Alors je fais quoi? Je vais monter là-dessus, je fais un assassinat aérien quand il arrive. Alors on va faire ça. Après c'est vrai qu'en soi je suis pas obligé de vous faire... On parle du jeu, hein. En soi je suis pas obligé de vous faire profiter de tous les campements, de à chaque fois, de ramasser le coffre, de buter le boss et tout. Mais je sais pas, je trouve que ça fait partie du jeu. Ah bah sans ça de toute façon cet Assassin's Creed il serait pas aussi gratifiable, hein. Il faut dire ce qu'il y a, hein. Bon, je pense que je suis totalement grillé. Voilà. What? Bon, je vais prendre feu. Par contre, eux, ils arrivent à me foutre le feu très rapidement, hein. En 2-3... Putain, le mec, en un courant d'air, il m'a mis le feu, hein. Rigole pas. Bon, je vais les libérer, ça va foutre un petit peu la discorde. Alors lui, je le libère, il me cherche la merde.
Donc qu'on soit clair, j'apprécie pas. Il y en a encore un. Voilà. Allez, c'est bon. Allez, gavé. Il y a encore un chef ici. Merde. Ça, c'est vrai qu'elle a la compétence de sauter tirant une flèche en l'air là, au ralenti. C'est vrai que c'est très classe, mais j'oublie. Il y a tellement de choses de toute façon. Bah, après, c'est un RPG, hein, donc on aborde le jeu tel qu'on. Enfin, tel qu'on le souhaite en soi. Bah, y a tout qui prend feu, c'est la fête. C'est la fête au village. Ah merde. Allez hop. Ouh là là, il fout le feu à tout. Non mais c'est quoi vos flèches les mecs? Ah, tu vas pas foutre le feu au campement, crois-moi. D'accord, je crois qu'il y a encore un coffre qui est par ici, forcément. Allez. D'ailleurs, bon, je reviens un petit peu sur le début de la vidéo. Par rapport au let's play qui dure un petit peu, il y a en plus des chances pour que après ce let's play, j'en entame un autre qui va probablement durer aussi. Alors, je vous dis rien de plus parce que j'avais fait la petite annonce sur ma page Facebook. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un saut. Il y a le lien en tête de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est pas la page de ouf, mais au moins ça me donne, ça vous donne les actualités de ma chaîne, les trucs à venir et tout. Ça a son utilité, je trouve. C'est toujours bien de savoir un peu ce qui va venir et tout ça, d'avoir les actus. Là, si admettons je sors un nouveau let's play, bah au moins boum, vous avez le lien direct, au moins le premier lien, comme ça ça vous donne une base. Après je donne pas systématiquement les liens, je sais pas si vous voyez le délire, à chaque vidéo que je sors, si je devais effectivement sortir, poster un nouveau lien, ce serait le bordel. Non, mais à chaque fois que je sors un nouveau let's play. A chaque fois que je sors un nouveau let's play, je me contente de l'annoncer. Je l'annonce au préalable, bien évidemment. Mais une fois qu'il est vraiment sorti, je le pose à plat sur la page Facebook. Comme ça, il y a l'actualité. Et puis, bah, ceux qui suivent la page, les actualités en font ce qu'ils veulent. Et ça permet d'avoir une visibilité au niveau des actus, quoi. Et comme je l'ai déjà précisé plusieurs fois. La lisibilité pour moi est primordiale. Enfin, s'il n'y a pas de lisibilité, c'est pas possible. Bon. Mon pote t'a pris cher. Ok. Allez, on va se concentrer sur le jeu. Bon, de toute façon, c'est l'épisode où on fait le point, on discute. C'est l'épisode Evelyn Thomas, voilà. Ça tombe bien, je m'appelle Thomas en plus. Bon, je crois que je suis bon pour descendre de mon cheval, moi. Bon, t'as décidé de me faire chier, très bien. On avait compris. C'est parti. Allez, objectif à proximité. Je crois qu'il y a quelqu'un à venger. En plus de ça, ça va me faire de l'XP bonus. Allez, hop. Cible localisée, impeccable. Qui que tu sois, on va essayer de te venger. Le lac de larmes. Qu'est-ce qui venait ensuite? Le dieu soleil a frappé de son poing la montagne. Si jamais on me voit ici. Bah déjà accroupis-toi, comme je te l'ai demandé. Ah. Est-ce que je suis totalement grillé par ce lion? Je crois bien. Euh,
Il y a déjà des gens morts. Donc en fait, je crois que je suis déjà passé par là, en fait. Oh merde. Ah, quelque chose ne va pas. J'étais prêt à l'action, mais finalement... Ah, mais ils sont là-bas. Ils sont juste là, finalement. Allez, 2-1. Voilà, je t'ai vengé. Alors, t'as un nom à coucher dehors. A mon avis, t'es pas... Bon, si t'es français, mec, je te plains. Parce que, franchement, un nom comme ça... on t'appelle pas, en fait. Bon, après, bon... Ce que je vais dire n'a aucune connotation raciste, bien évidemment. Mais généralement, les gens qui ont des noms comme ça, avec plein de chiffres, généralement, ils viennent de l'Europe de l'Est, quoi. Enfin, c'est une constatation que j'ai faite. Après, peut-être que je me plante, hein, mais généralement, c'est soit des Asiatiques, et du coup, c'est un encodage qui est différent du nôtre par rapport à leur clavier, et qui, du coup, nous fait traduire ça par des chiffres. Ou alors, c'est des personnes de l'Europe de l'Est, Roumanie, Russie, etc., qui, au final, n'ont plus trop de choix au niveau de leur... au niveau de leur... Après, c'est vrai que autre lieu, autre mœurs. Donc finalement, pour nous, le Kikou du 93, ça sonne plutôt pas mal. Enfin, non, pas du tout, mais bon, en soi, ça sonne plutôt correct dans une certaine norme pour nous, bon français. Mais pour un russe, on ne sait pas. Enfin, peut-être que 123 dièse, BA, etc., etc., ça sonne mieux, quoi, que Rouskov 2000. Enfin, voilà, enfin, bon, c'est pas raciste, mais bon, voilà, je... C'est la petite parenthèse. C'est vrai qu'on en avait discuté. Je sais plus avec qui j'en avais discuté. Mais c'est vrai que, bon, en soi, on a pas forcément la face place d'autrui et de se dire, bon, mais c'est vrai que, en fait, d'un autre pays, on va considérer que bah, un blaze est cool différemment, quoi. Pourtant, en soi, quand on y réfléchit bien, ça va de soi, mais bon. La tueuse de Lyon. Elle a l'air forte. Ce qui est évident n'est pas forcément perceptible au premier regard, au premier abord. Ah, c'est une vidéo où on parle. Là, de toute façon... Bah, on valide des trucs en même temps, je suis désolé, on a parlé, mais en même temps, je sais pas si vous avez remarqué, je me bouge. Hein. De Sirène et d'Apollon. Ah, on a un truc à faire par rapport à Sirène. Oui. Une couronne. Ça doit être le halo de la prophétie. Je remercie Apollon pour ce cadeau sacré. Merci Apollon. Allez, je me casse. Oh merde. Salut. Bah il sortait d'où lui? Ah mais il y avait un char carrément. Bon. Ça veut dire qu'on est à jour. Alors si on est à jour, on se casse. Ouais, il y a toujours un Ubis, hein. Je suis toujours pas allé lui botter les fesses. Va falloir que j'y songe. Bah après, c'est vrai que j'aimerais bien terminer ces deux régions. Comme ça, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Je peux aller dérouiller Anubis avant de partir totalement à l'est pour faire la quête principale. Enfin, les dernières quêtes restantes plus la quête principale. Mais bon, vous voyez, on a encore la zone au nord à nettoyer, plus pas mal de quêtes à faire. Donc je pense qu'on va entamer tout ça et qu'on va mordre sur l'épisode prochain pour finir de valider tout ça, en sachant que en partant un petit peu ici, on a encore des zones à explorer, de la quête secondaire. Enfin, de la quête annexe, pardon, mais pour moi, c'est grosso modo la même chose. Du lieu exploré. Bon, après, ça va. On a exploré le sud de cette zone. Donc, on est plutôt pas mal à ce niveau-là. On avait des quêtes aussi à valider par là ou par là, je ne sais plus. Cette zone à explorer. Bon, là, après, cette zone, c'est en pleine mer. Je pense qu'il n'y a rien. Je pense qu'il faut juste y aller pour éclairer le truc. Et basta. Ok, bon.
Tout ça, c'est bien beau, c'est fait. Ce qu'on va faire, on va commencer à s'avancer gentiment. Attendez, on va regarder au niveau des quêtes. Bon, lui, c'est complètement à l'autre bout de la carte. On a ça aussi à faire. Ça, au niveau de la carte, c'est là. Et la quête quotidienne. La quête quotidienne, elle est plus bas, je crois. Hein. Ah, mais il me la met là maintenant. T'es sérieux? Bon, bah du coup, je vais aller récupérer ça en off. Hein. Permettez. En plus, il y a hop, la petite zone ici. Et bah comme ça va nous permettre de monter cette zone. Je vais récupérer la cargaison. Comme ça, je vais avoir ma petite récompense. Et on va finir, on va monter. Et prochaine partie, on continuera à monter par ici. Tant pis, on fera ça dans l'autre sens. C'est pas grave. En soi, c'est pas très grave. Donc, je suis bon pour me téléporter. Eh ouais, ici, pas le choix. Bon, de toute manière, vu ce qu'on a à explorer juste en face, parce que forcément qu'on a découvert de nouveaux lieux en avançant un tout petit peu, on va s'arrêter là-dessus, parce que j'ai beaucoup parlé. Alors, je suis désolé, encore une fois, mais je considère que quand il y a des choses à dire, quand il y a des petites choses à annoncer ou voilà, à envisager, il est bon de communiquer les informations et voilà, de faire parvenir les informations à qui de droit. Et étant donné que c'est vous les premiers concernés, eh ben, je trouvais important de vous en parler, de vous faire partager ce qui me passe par la tête au jour d'aujourd'hui. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Il y a quand même eu de la progression, hein, je n'ai pas fait que parler. C'était quand même relativement efficace comme fonctionnement. J'ai réussi à... C'était du domaine de la prouesse. J'ai quand même réussi à parler, à jacasser un gros paquet, un bon paquet de la vidéo, quoi. Un bon paquet de temps, sans pour autant m'arrêter de jouer. Donc je trouve que c'est plutôt une réussite. Voilà, en sachant que je suis en pleine nuit blanche et que je suis totalement crevé, que j'ai le bide de travers et j'ai horriblement mal au fond de la gorge, que j'ai envie de me gratter avec une fourchette. Voilà, enfin, c'était la petite parenthèse médicale. Bref, je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous dis à très vite pour la suite de ce Let's Play sur Assassin's Creed Origins. Donc la prochaine fois, est-ce qu'on terminera cet épisode ou non? Je vais considérer, je pense, qu'on va terminer cet épisode avant de déclencher toutes ces quêtes annexes. Donc pour moi, le prochain épisode va commencer à partir du moment où on va arriver dans cette région et qu'on va tout déclencher. Donc, étant donné qu'il nous reste encore des trucs à découvrir par ici, peut-être une quête secondaire à faire également. En plus, on a peut-être une quête secondaire à faire juste à côté d'ailleurs. Je vais considérer que prochaine vidéo, ce sera la dernière partie de cet épisode 14. Et que encore la vidéo d'après, ce sera l'épisode 15 qui commencera avec la découverte de cette région et bah, du coup le déclenchement de toutes les quêtes annexes qui nous permettra justement de tout valider et bah, de finir de valider en soi, parce que là on va terminer cette zone, on va terminer cette zone. Effectivement, il nous restera cette zone, mais je pense que ce sera la conclusion de l'épisode 15. Et ensuite, on pourra partir tout à l'est bah, de la carte pour finir cette zone. Cette zone, on aura la quête principale dans cette zone. Et donc ça, je pense que ça ce sera l'épisode 16. Et bah, il nous restera plus qu'à terminer le jeu tranquillement, le scénario. Voilà. On n'aura que le scénario à faire en suivant. Je vais quand même me faire la petite parenthèse d'aller voir Anubis. Je sais foutrement pas quand. Parce qu'il y a quand même des trucs à faire. Et c'est vrai que ah, j'ai du mal à me dire arrête-toi dans ta lancée et va aller botter le cul Anubis. Il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement d'XP encore à prendre et des points d'aptitude à ramasser que je pourrais m'optimiser et du coup voilà. Et attendre un petit peu avant d'affronter un dieu. Tout simplement, voilà, enfin, à mon avis je vais douiller, hein, donc je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Mais bon, dans tous les cas, étant donné qu'il nous reste grosso modo 4 jours pour le valider et espérer looter, parce que ça se trouve va falloir que je le recommence plusieurs fois, il y a des chances pour que ouais, j'y aille à la fin de cet épisode. Donc peut-être une fois cette région terminée, je me permettrai une petite escale pour aller voir Anubis et au moins tester ça, vous faire un petit épisode hors série pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis si je vois que c'est faisable,
faisable assez facilement et tout. Et ben je me peut-être qu'une fois par jour, si j'ai pas looté d'ici là, une fois par jour, peut-être que je ferai un petit essai comme ça pour tenter de looter. Mais je vais pas batailler plus que ça. Parce que pour moi, Assassin's Creed, c'est du hors ligne. Donc effectivement, s'ils mettent du contenu multi comme ça, avec du loot intéressant, tout ça, je veux bien. Mais du loot, pourquoi finalement? Parce que quand j'ai terminé le jeu, le loot va pas me servir à grand chose. Donc voilà, enfin, c'était la petite parenthèse, le petit point d'interrogation du jour. Voilà, je vous dis à très vite. Plein de bisous. Ciao tout le monde! Cette course va rester dans les mémoires.